mer, ça va plus. Alors, pourquoi t'es froid? Il s'exprime sûrement par mon aussi. Ravix de quatre cornes, comme je suis content de vous voir. Le papillon, le troubadour, vous me remettez? Bonjour. Dites, cette histoire de Ravix, ce n'était qu'une blague. Appelez-moi simplement Gérald. Gérald de Rive, naturellement. Comment ai-je pu ne point le remarquer? Je suis un grand admirateur. Merci. De Maître Jasquier. Je connais chacune de ses balades dans son cycle sur le sorceleur. Oh, je n'en crois pas ma veine. Vous attendez quelque chose de moi? En effet, une chose très importante. Mon coiffeur, Jean-Louis Ludovic, a disparu. Vous allez donc le sauver, pendant que je compose une balade épique à ce sujet. Ouyez, brave Jean, le glorieux récit d'un barbier disparu et d'un sorceleur qui vainquit. Que s'est-il passé au juste? Vous êtes sûr que le coiffeur a disparu? Oui, absolument. Une chose affreuse et absurde s'est produite. Jean-Louis n'est jamais en retard au travail. Il est la ponctualité incarnée. Nul doute qu'il sera honoré que j'interprète la geste de son sauvetage héroïque. Qui va me payer pour trouver ce barbier? Moi, pardi. Une telle occasion se présente rarement. Mais je devrais vous accompagner, afin de transcrire tous les événements au fur et à mesure. D'accord. Mais s'agissant d'une demande inhabituelle, ça vous coûtera plus cher. Cela va de soi, mon cher. Très bien. Comme vous voudrez. D'accord. D'accord. Je vais me renseigner. Si vous devez m'accompagner, gardez vos distances, vous pourriez recevoir un coup d'épée. Évidemment. Vous ne me remarquerez même pas. L'atelier de Jean-Louis est juste là. Il y a un problème? J'ai trouvé la fin parfaite. Et le tout pour la gloire de sa majesté, la duchesse. Je croyais que ça parlerait d'un sorceleur et d'un barbier. Que vient faire la duchesse là-dedans? Sa majesté peut se montrer aussi changeante que son poulain. Aujourd'hui, tous se souviennent des rimes que j'ai présentées au tournoi. Mais demain, sa rayonnante majesté, lassée par son petit déjeuner, pourrait réclamer un poème épique. Il faut savoir saisir les opportunités. Alors, par où commence-t-on? Par la porte. Il faut l'enfoncer. Ça n'a pas été trop dur? Butez cette face de craie! On l'a sans mêler! Et le tout pour la gloire de sa majesté. Ces ciseaux sont émoussés. Il ne pouvait pas couper des cheveux avec ça. Un pot d'onguent vide. Un parfum floral capiteux. Bon sang, c'est très fort. C'est l'élixir floral spécial de Jean-Louis. Ce pot est vide aussi. Ce pot est vide aussi. Plus d'action, de tension, un rebondissement. La serrure est intacte. On n'a pas tenté de la forcer. Mmh.
registre du coiffeur. Manucure, frisette, coupe de Sintra, queue de cheval de rive, coupe de marin. Tout ça est dépassé depuis longtemps à Novigrad. Ah, c'est rendez-vous. Le dernier, c'était avec Madame de Pompidou, vous la connaissez ? Oui, une vieille dame. Jean-Louis la coiffe depuis une décennie. Elle est totalement inoffensive. Ce croquis, on dirait une carte. Ça vous évoque quelque chose ? Je crois voir où ça mène. Mais quand bien même, il n'y a rien là-bas. À part des champs, des prés. Je pense avoir compris. Moi de même. Je crois. Il farfouillait, mais tout était propre et rangé. Je vois des rasoirs, des pommades, mais point de barbier. Ça vous ennuierait de la fermer deux minutes. Crois savoir ce qui est arrivé au coiffeur. Aucune trace d'effraction ou de lutte. À mon avis, il est simplement parti chercher des ingrédients pour ses onguents. On dirait qu'il n'en avait plus. D'onguents. Possible. Il a pu aller cueillir des pétales de fleurs dans les prés, en dehors de la ville, pour ses onguents. Là, des trolls l'auront dévoré. Ou un cyclope. Dans les deux cas, c'est parfait. Vous pourriez trouver l'endroit avec sa carte. Cela va sans dire. Passez devant, alors. Brillait dans un écrin d'azur. L'écoulement du sable prouvant que rien ne dure. Ils s'aventurèrent par-delà les remparts. Pressés qu'ils étaient d'accomplir leur devoir. Vous allez faire ça tout le long du chemin. Ils firent leurs adieux devant les stèles funéraires. Poursuivant leur route, le regard téméraire. Regardez, c'est l'emplacement sur la carte. Merde, revenez. Quelle était cette bête ? Une échinopyre. Y en a-t-il d'autres dans les parages ? Allez savoir. Et vos sens aiguisés, que vous disent-ils ? Que vous devriez vite filer. Oh ! Elle est bien bonne. Continuons. Je sais que vous me défendrez en cas de besoin. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas ? Allons au deuxième endroit sur la carte. L'épée au clair, le sorceleur, tue à la bête. Sans coup férir, ainsi fut réglé le compte de l'échinopyre. Là, c'est le panier de Jean-Louis. Je le reconnaîtrai entre mille. Il est venu ici. C'est désormais une certitude. Un panier de pétales de fleurs. C'est la même odeur que l'onguent. L'herbe est piétinée, il y a de nombreuses empreintes, et un peu de sang. Vous aviez vu juste, il a eu des ennuis. Ouh, quelle chance! J'espère juste que ce n'est pas un cyclope. J'aurais du mal à trouver une rime. Alors? Avez-vous trouvé sa piste? Le sol est rocailleux, la piste est froide. Il s'est aventuré dans la grotte. Une obscurité terrifiante de profondeur. À en perdre l'inspiration. Pas de rime toute prête.
Croyez-moi, messire chevalier, cette coiffure fureur, tout le monde la porte à la cour du Covir, aucune damoiselle ne vous résistera, ou qu'est-ce ? Tu ne profères que boniment, saccageur de barbe. Ça fait fureur au fin fond du Covir. On est au Nilgard, espèce d'âne bâté. Que vous a-t-il fait ? Que m'a-t-il fait ? Il m'a coiffé. Il va faire un cul de canard ou une patte de castor, je ne sais même pas. J'avais trop honte pour participer au tournoi. J'aurais prouvé ma valeur. Mademoiselle Vivienne de Tabry aurait été mon prix. Et ce vaurien qui me vante cette coupe, j'ai raté ma chance d'un cheveu. Il l'a bien payé à ce que je vois. Ce n'est qu'un début. Je me demande si je ne vais pas lui couper autre chose. Vous savez, les cheveux, ça repousse. Vous voulez vraiment tuer un homme parce qu'il vous les a mal coupés ? Vous prenez-vous pour un seigneur pour me faire la leçon ? C'est un foutu défenseur des opprimés, les gars. Sur lui. Écoutez, enfant, l'histoire que je vais conter. Elle parle d'un sorceleur et d'un chevalier dévoyé. Je vais répandre des cris à la lumière. Il fait la même chose à son préféré. Le papillon ? Par les plaies de l'Ebiota, vous m'avez sauvé in extremis. Ne me remerciez pas, Jean-Louis Ludovic, je présume. Sortons d'ici avant. Plus un mot, vous deux ! J'ai trouvé ! De peur se figèrent acolytes et écuyers du chevalier, pendant que ses voyous volaient vers le ciel azuré. En deux, le sorceleur le coupa sans même un effort. Et d'un nouveau coup trancha net les parties du porc. D'une nouvelle caresse de son large fer hardi, au sol le sorceleur les tripes du chevalier répandit. Alors sur ses moignons le maudit rampa sans adresse, le tout pour la gloire de sa majesté, la duchesse. Et pour mon argent ? J'ai décidé de vous verser une part honnête de mes droits d'auteur. Payable, disons, tous les 6 mois ? J'en déduis que vous êtes fauché. Je vous dois 1000 remerciements, sorceleur. Je me ferai une joie de payer votre récompense, et je vous coifferai bien sûr quand vous en aurez besoin. Merci. Soyez prudents.